Salut, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve avec Antoine. Enchanté, bonjour. Scoot to Street sur YouTube. Dis-leur ce que tu fais sur YouTube. Bah moi, je fais de la trottinette freestyle, je fais des vlogs, je vais dans les skateparks, tout ça dans le monde de la trottinette. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, un nouveau défi. Charles, il va tester la trottinette. Ah là là là, la vidéo sera en trois parties. Première partie, tu vas m'apprendre à... Des figures. Petit extrait de ce que Antoine sait faire. Autant vous dire que bon, il est doué, donc j'ai un bon prof. Et ensuite, deuxième étape, le grand jeu. On vous expliquera après, mais restez bien, parce que la vidéo va aller crescendo. Et on va terminer troisièmement par se faire plaisir. Vous allez kiffer. C'est parti, mon premier cours de trottinette. On va chercher la trottinette. Vas-y. Voilà, là, la trottinette. Mec, tu sais que c'est la première fois que je vais toucher une trottinette freestyle. Je sais même pas si ça va être lourd ou pas. Voilà, mec, classique. Ah, oh, c'est grave léger. Franchement, il y a un truc aussi qui est abusé. Mec, c'est la taille du guidon. Du guidon en hauteur ou en largeur? En largeur, c'est normal que ça soit. Ouais, ouais, ah, ouais, c'est aussi large. Ce soit, pour que ça soit plus facile pour les figures. Tu te sens bien ou pas? Ah, ça me fait bizarre. C'est quoi le premier trick que tu peux apprendre, genre en trottinette? Déjà sauter. On prend un peu d'élan et on fait le saut, hein. Ah. Attendez, je tiens à me préciser qu'il faut utiliser des protections. A savoir que là on va faire du flat, ça veut dire on reste au sol. Donc je vais pas mettre tout l'équipement complet, mais je vais quand même prendre un casque, on ne sait jamais. Oh bah là ça le fait hein. Parti. Parce que là, tu es prêt. Ce que je vais faire, chaque truc qu'il va me demander de faire, je vais d'abord essayer tout seul, et ensuite j'aurai le conseil de l'expert. Mec, ça roule graphique. Après sauter, bon. Ah ouais, ok. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse un saut aussi haut. Ça va être sympa. Est-ce que je pourrais sauter par-dessus d'un truc? Tu peux essayer de rouler là-dessus et ouais, sauter comme ça par terre. Alors bon, à la base, je ne suis pas du milieu de la trottinette. On va tenter quand même. Mec, alors là, j'ai de la pression. Allez, dis-toi que t'as le casque, tu ouais, risques rien. Tu roules et tu sautes. Oh mec. Bon, j'ai triché. Allez. Allez. C'est validé. Chapeau. Tu pensais qu'un cuisinier savait sauter à la trottinette en 2 minutes? Ah, j'aurais jamais pensé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Une figure. Le 180. On peut le faire en trottinette aussi ça? On peut le faire aussi. Comment on roule à l'envers en trottinette? On roule comme ça? Ouais, le faki. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça va se passer. En fait, je sais pas pourquoi je suis là. Il a failli faire le 360. Même moi, je suis en train de m'épater. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je pense que tu peux directement attaquer le 360. Est-ce que tu le sens? Franchement, je pense qu'il y a moyen. Je te laisse le faire. Ah, pas loin. Il en a fait toute sa vie, c'est pas possible. Faut pas croire, la trottinette, c'est physique. T'en as fait avant la vidéo, c'est pas possible. Il nous plaque un 360 en quelques minutes. J'ai envie de le faire bien. Bon, bah ça c'est fait hein. Bon, je pars, je sers à rien. Je crois que je commence à kiffer la trottinette mec. Prochaine vidéo. On peut essayer un tail whip. C'est quand on voit le plateau. Voilà, c'est ça. Oh, t'étais vraiment pas loin. Nope. Ah. Nope. Nope. Oh. Alors la première difficulté que les gens ont, c'est de sauter et l'envoyer en même temps. Alors que toi t'arrives à faire les deux. Maintenant faut juste vraiment que tu l'envoies avec tes pieds en arrière et que t'ailles chercher le deck, que t'ailles atterrir dessus. Faut envoyer avec les deux pieds, mais faut plus gratter avec celui qui est à l'avant. Je vais réessayer. Ils sont écartés. Allez. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Je crois que j'ai compris. T'es validé mais à fond hein. Yes. Je vais essayer le bar spin. Peut-être que moi je devrais faire comme ça. Non. Ça a l'air ultra chaud. C'est super chaud. Ta première main, elle va te lancer le guidon. Ouais. Et avec la deuxième, tu vas récupérer et tourner. Faut que je me mette un peu en pause de mon accent marseillais parce que ça commence à faire un peu tout mal. En fait, il y a des moments où je crois que j'oublie complètement ma voix classique. Enfin bon, ça va être chaud. C'est vrai que c'est un peu plus dur que le tail whip. Je le sens pas du tout. Je pense que la première partie va s'achever ici. Franchement, je pense que t'as bien réussi tes figures. Ça annonce du bon pour la suite parce que maintenant, on passe. Si tu perds, tu manges. On va vous expliquer
expliquer les règles de ce défi, de ce petit challenge, Antoine? C'est très simple, on va faire un scoot S-C-O-O-T. Je vais faire une figure, il va devoir la reproduire et ainsi de suite. Et la personne qui n'arrive pas à reproduire la figure se prend une lettre. Et une fois que le mot est terminé, la personne a perdu. Mais attendez, ce serait trop facile de faire juste ça. Ouais. C'est un jeu très sympa. J'ai peur parce qu'il m'a pas encore dit ce qu'on allait faire. La personne qui va perdre, c'est la personne qui n'arrive pas à reproduire la figure. En plus de la lettre, elle aura le droit de tourner une roulette avec quelques aliments, des bons, des moins bons. C'est parti, on commence tout de suite. Petit Shifumi pour savoir qui c'est qui va commencer. Shifumi. Non. Yes. Ça part sur un petit 360. C'est un plaqué, moi je pense qu'il est bon. Hein. Yes. Petit 360 des familles. C'est à moi de faire la figure. Je vais lancer un 180, tout 180. Donc tu fais un 180, tu roules en arrière et tu refais un 180. Lui il a un grand sourire, moi j'ai une pression. On y croit. Ah. Bon, c'est raté. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Le divertissement, il arrive, la roulette. Ah, j'aime bien le bruit. Mec, oh. Le piment, le piment. Non mais c'est pas possible mais... Tu vas te faire plaisir aujourd'hui hein. C'est parti, je cherche ça. Le mec est tellement content, moi j'ai ça en main. L'avantage c'est comment ça va me réchauffer, il fait un peu froid. J'espère que celui-là il va pas trop piquer. Oh, un peu gringue. Et en entier Charles hein. Faut savoir qu'il est 10h du matin, il vient de déjeuner. En fait j'ai... Ah. J'ai froid partout sauf de la bouche. Du coup bah c'est à toi de refaire une figure. Je vais inventer les figures comme ça il n'arrivera pas à les faire. Non. Je vais tenter j'ai mal à la bouche mec. Je vais tenter un tie whip, la figure qu'il m'a appris avant. Ah. C'est pas parti, je vous ai eu, je la refais. Et merci pour la trottinette. Allez, j'ai une petite idée, il ne l'a pas encore fait. On va faire un no foot, donc c'est sans les pieds. Normalement, c'est pas une figure trop difficile. Donc, je vais faire une sorte de no comply, ça s'appelle comme ça en skate. Oh. Ah, c'est horrible. Je pense que ça va être à son tour. Attends, je vous réfléchis. Ça va la bouche? Ah, c'est horrible. Tu veux goûter? J'en ai un deuxième. Ça va aller. Allez, il nous l'a fait tout à l'heure. Je veux le revoir. On va partir sur un tail whip. Comment il fait ça? Bien. Allez bah, 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 bah. Ah, je suis sur une création, sur une inspiration. Peut-être ça existe en vrai. Il a manqué de peu. Allez, j'aimerais bien l'avoir passé là. Je vais m'en passer la figure. Vous pouvez faire des combinaisons à l'infini. Je n'ai jamais fait ça. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Bon. On va partir sur une nouvelle figure. On va aller sur la roue arrière. On va faire du manual. Ligne à ligne. Mec, c'est pas ligne à ligne, c'est il a fait la moitié du terrain. Eh, je n'ai pas envie de manger ce qu'il y a dans la roulette. Oh non. Je pense que la roulette va être de retour. La roulette. Hop. Non, mec. Les oignons. J'ai vraiment pas de chance. Ça va être marrant. Ça donne pas envie. Les gens ont des préjugés sur les oignons. Ah ouais, tranquille. Il a lâché son croc normal. C'est très bon les oignons. Quoi? Bah peut-être que les gens ont raison hein. J'imagine après je vais croiser des abonnés. Bonjour. Monsieur n'avait pas mis son casque. Surtout que sur sa chaîne il est carré sur ça, donc sur Facebook Cuisine aussi. On est pas beau de toute façon avec le casque comme ça. J'ai mal au ventre parce que j'ai mangé un demi-oignon et un piment, mais je vais tenter le double. Ça y est ma figure. Et il nous a fait la même en double. Ah, je serai intransigeant. Voilà. C'est à moi. Merde. Non. Non. Et non. Bon bah vas-y, à toi hein. Ce n'est pas vraiment une figure, mais c'est un petit truc assez sympa qu'on va faire.
Bon allez, là je donne tout. Yes. J'espère que t'as une bonne mémoire parce que sinon t'arriveras pas à le refaire. C'est parti. J'ai déjà oublié ce qu'il a fait. On va essayer de reproduire. Alors il a fait tac. Et après il a fait. Eh ben c'est pas plaqué. Moi je suis pas d'accord. En vrai il a quand même fait putain. Je vais chercher quelque chose. Non. Non mais hey. C'était pas prévu ça. Évidemment que c'était pas prévu. Tu as déjà fait un peu de skate? À part rouler, non? Bien, aujourd'hui tu vas apprendre. Je vais pas manger tout seul tout ce qui reste à manger. C'était pas prévu, je suis dégoûté. C'était fort agréable. On la fera gagner d'ailleurs. Terminé la trottinette. Petit pop show vite, on commence tout doucement. Tellement à l'aise. Là pour le coup c'est moi qui vais galérer. Skate de street. Skate de street. La position est bien là déjà. En plus j'ai qu'un seul essai. Tu as été sympa avec moi, je te laisse en deuxième essai. Allez, c'est gentil, on part sur le deuxième essai. Ok. C'était lancé, c'était bien ou pas? C'est la roulette! Ça te fait pas plaisir de pouvoir manger un petit peu? Oh que si! Allez. Non! Yes! Passer à ça du truc bon. T'aimes le café? Je n'ai pas vu. Non, j'aime pas le café. Une petite cuillère. Ça se mange le café comme ça au moins? Waouh. Ouais. Viens. Mais c'est quoi ce café? C'est le café le plus fort du monde. Arrête. Mec, je sens pas. Je le sens pas. Faut pas réfléchir, hein. Faut mettre tout d'un coup. Hein. Ouais. Tu as pas de goût? Quoi? Tu me dis que t'es super sensible, ça normalement? Ah. Ah oui, ok. Coca. J'aime pas le coca. Il est pas terrible. Tu sais ce que tu veux goûter toi aussi? Non. On continue? Allez. Tu dois lancer en skate, c'est ça? Ouais. On va essayer quelque chose. Improvisation totale. Oh. J'ai réussi à tenir. Je vais prendre une lettre parce qu'il a fait un truc, c'est n'importe quoi. Yes. Mais c'est trop facile pour lui. T'as fait un petit truc facile. Tu m'avais dit un truc facile? J'ai menti. Allez, à toi. T'as juste un tac. Tu conseilles quand même, non? De merde. Ça va être impossible. Faut que je sois en arrière au début, c'est ça? C'est la roulette! Je vais tomber sur le truc bon. Une chance sur deux. Non. Non, oui. Et c'est le brownie. Alors, Charles? Le mec, je prends mon skate pour être sûr qu'il goûte un truc. Le mec se chope le meilleur truc possible. Ah, je pense que ça va être assez sympathique. Tiens, moi, j'ai droit de manger un piment, un oignon. Le mec se tape un cookie. J'ai encore des restes de cookies. Pour varier un peu les plaisirs, c'est qu'on fasse un petit concours. Skate vs trottinette, qui va gagner? Reste également un aliment. À te voir. Il se frotte les mains, mais ne te frotte pas les mains, ce sont des flageolets. 3. On va devoir faire un manuel. Ok. C'est le fait de lever la roue avant et de rester sur les deux roues arrière. Pour lui, la roue arrière. La personne qui fera le plus petit manuel aura perdu. Ok. T'es chaud? Allez. Est-ce que t'es bon? Ça va. Allez, c'est parti. Chifou. Oh. Allez, je vais commencer. Oh, il va je mettre la pression. Oh. J'ai fait deux grandes lignes blanches. Je pense que je suis arrivé à peu près par ici. Ah, je suis dégoûté. Fallait pas être gentil. Allez. Oh, ça donne pas envie. Oh, ça donne. Oh là là. Oh, la sauce en plus. Elle est même pas liquide. Ah, c'est bon. Oh, je connaissais pas, mais c'est bon. T'en veux encore? Ouais, bah ouais. Mais normalement, c'est censé être bon quand c'est chaud, un peu cuisiné. Moi, j'aime bien. Bon, à la vôtre, hein.
quelle belle vidéo, franchement, et ça m'a fait c'était sympa. Trop plaisir de pouvoir rider, que ce soit de la trottinette ou du skate. L'essentiel, c'est de rider, se faire c'est plaisir. C'est ça, prendre du plaisir. T'as été quand même un peu surpris ou pas? Franchement, il m'a fait des petites dingueries, comme on dit dans le domaine. En tout cas, maintenant, vous allez pouvoir retrouver, là maintenant, tout de suite, une deuxième vidéo qu'on a tournée sur ta chaîne. Vous allez voir, ça va être épique. Des bons petits défis. En tout cas, pour retrouver la vidéo, c'est très très simple. Vous allez sur la barre de recherche YouTube, vous tapez Scoot de Street Défi. Je vous invite à aller voir sa chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne d'Antoine, cliquez sur le petit bouton rouge pour s'abonner. C'est vraiment très merci très beaucoup, cool. C'était cool. Et si vous regardez la vidéo mais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Fast Good Cuisine, allez juste en dessous et cliquez sur le petit bouton s'abonner et sur la cloche aussi pour recevoir les notifications. Il a fait la totale. On se dit à très vite et sur ce, ciao ciao.